aux conditions climatiques, à la pluie qu'il y a eu pendant presque une journée. On est en train de remettre la neige sur la piste et afin que cette nuit ça se tende, que la piste redevienne rapide, comme ça on sera prêt pour demain pour refaire partir la course et avoir une belle épreuve sur ce troisième jour de la Val d'Aude 2016. J'ai fait la course, donc comme dimanche il n'y a pas eu de course parce que la neige n'avait plus, du coup les chiens ont fait repos. Mais samedi j'ai fait la course, donc les deux manches. Puis là je suis en stage pour mon stage de troisième ici à la Val d'Aude. Donc aujourd'hui je suis avec les vétérinaires comme c'est ce que je veux faire plus tard. So the first day it was so amazing, nice that these 2 days which is cancelled is not so bad, because the first day it was really, really nice. Nice weather, nice trail, nice everything here is really nice. In French Alps, everything is nice. Well, I don't expect anything, because this was my solution for cancelling another race. So I saw some photos that here is the race, will be the race, so it's confirmed race. So I did fast with Thierry and I came here. So I don't expect nothing in the meaning of sport, you know, of let's say first place, second place, or third place, or the 10th place. No, but just to really enjoy in beautiful landscape and everything. Moi, je connais la Val d'Aude depuis déjà 6 ans. Je connais très bien l'organisateur Olivier Polia, qui est un de mes meilleurs amis. Et c'est, on va dire, grâce à lui que je continue à faire du traîneau à l'heure actuelle. Car il m'a offert deux beaux chiens qui travaillent. Et la Val d'Aude Traîneau est une belle, très très belle course. La, on va dire une des plus belles courses européennes de sprint et mi-distance. Puis c'était important que je participe à cette course parce que je suis de la vallée. J'habite à 30 km de la chapelle. Et pour moi, c'est la première course du calendrier à faire. Après, viennent les championnats de France. Et cette année particulièrement, il y aura les championnats d'Espagne, la Vaquera Béret. Nous là, on mettra 8 chiens et on verra ce qu'on arrivera à faire à la donnée. Et j'en remercie Olivier pour tout le travail qu'il fait, parce que je sais que pour lui, c'est un travail d'un an. Préparer la Val d'Aude avec Thierry Luther, c'est quelque chose de formidable qu'ils arrivent à faire et j'espère que ça va durer dans le temps. Et qui jamais perdent le courage parce qu'ils ont une très très bonne équipe et je pense que nous les mûcheurs on doit les remercier à 100%.